Vous retrouvez d'ailleurs tous ensemble, tous les trois, à la sortie de l'école, parce que l'école, vous avez fini les cours au même moment. Qu'est-ce que vous faites? Je donne à, je dis à Flex, Peter, j'ai l'adresse de monsieur Koreski. Ça vous dit qu'on aille Coresco. Koresko, ça vous dit que on aille le ça vous dit qu'on aille le voir? Pourquoi faire? On n'a pas mat, c'est trop bien. Bah moi j'ai un truc à lui rendre aussi et Peter aussi. À part si Bah Peter. moi aussi, et le problème c'est que je l'ai pas fait le truc que je devais lui rendre, donc moi ça m'arrange qu'il soit pas là. Moi je le veux bien parce que justement Charlie me l'a fait, et si jamais Charlie me l'a fait et que je peux pas le rendre au prof, Charlie va me redemander un truc pour faire le suivant. Donc Alors, et là je gonfle un peu le torse, je montre un peu les muscles naissants. Ils sont pas vraiment des muscles, ils sont plutôt une espèce de surcouche de gras par-dessus les biceps. Je veux bien vous accompagner, à condition que vous me fournissiez en chocolat pour le reste de la semaine. Mais t'inquiète pas, j'ai pas mal de chocolat. Eh ben c'est bon alors, je vous suis. Ok, et bah c'est parti. Tu nous. Du coup, je lui en donne un, je lui donne un autre chocolat. Que je mange. Que je mange même pas en fait, c'est-à-dire que je l'avale. C'est-à-dire que tu vois juste que ça disparaît dans la bouche. Alors, Et puis je me tortille encore un peu. et du coup, quand tu vas sentir une sorte de bulle. De chewing-gum qui va sortir de ta bouche. Si c'est que de la bouche, ça Et du coup je rote un peu, je fais des. Et à chaque fois ça fait des petites va. bulles. Ça résonne dans la bulle de chewing-gum, tu sais. C'est impressionnant, hein, tout ce qui est peu ingurgité. Ok, c'est pas mal. C'est à l'orange cette fois, non? Ouais, c'est à l'orange, exactement, ouais. C'est pas mal. J'aime bien. Ok, J'aime bien. ok. Tu m'impressionnes, Flex, tu m'impressionnes. Ouais, je sais. Je bombe le torse encore une fois. Pour le coup, le chocolat à l'orange, ça peut avoir de l'avenir, je pense. Au chewing-gum? Ouais, je pense aussi. Mais... Alors, au chewing-gum, peut-être pas, mais à l'orange, oui. Il y a un concept. Je pense que on peut peut-être travailler tous les deux, Charlie. Ouais, c'est vrai qu'il y a un Tu peux concept. peut-être bosser et moi je goûte derrière. Ok, On verra bien. moi ça me va. On va C'est peut-être tenter. une bonne idée. Je te conseille juste de prendre une assurance au cas où, Flex. Une quoi? Juste au cas où. Une quoi? Une assurance bien, un truc. C'est quoi? C'est quoi? Je vous expliquerai. Je regarde Charlie. Il est bizarre aujourd'hui, Peter, non? Voilà, une assurance. Depuis quand on a besoin d'assurance? Je sais pas ce que c'est de toute façon. Bon, on y va. Ben, on est sur la route. Donc, je sais pas. Alors, je vous ai dit juste une bêtise. L'adresse, c'est pas à Gretiarmos, c'est à Castor-on-Sea. Qui est le quartier, la banlieue, un peu au nord de Gretiarmos. Et donc l'adresse, c'est à peu près un petit peu au sud, dans la partie sud-ouest de Castor-on-Sea. Caister-on-Sea d'ailleurs. Et donc bah, vous arrivez devant une petite maison, assez simple, qui, quand vous arrivez, il y a de la lumière qui est allumée. Il commence à faire nuit. Et la lumière est allumée. Bah du coup je regarde les deux autres pour savoir qui c'est qui veut aller frapper. Personne ne se manifeste donc je vais frapper. Bah si, j'y vais. J'essaie. Vous voyez qu'en fait j'essaie un petit peu de prendre le lead, un peu pour me faire mousser depuis Comme cet été, le depuis que je chocolat tout à l'heure. comme le chocolat tout à l'heure. Non mais pour me faire mousser avec mes 20 cm de tour de taille que j'ai pris en 3 mois. Ah mais vas-y, Flex. Allez, et eh ben j'y vais. Je vais sur le porche et je toque. Et tu toques et tu entends absolument rien. Il n'y a pas de réponse, pas de mouvement. Je colle mon oreille contre la porte. T'entends un bruit de téléviseur, mais c'est tout. Y a quelqu'un? Ouh. Y a quelqu'un? Pas de réponse. Toujours le téléviseur qui fait du bruit, mais c'est tout. Monsieur prof de maths? Je rentre à sa suite, je fais.
Monsieur. Aucune réponse. J'essaie de. J'allume la lumière. T'as dit qu'il faisait tout noir, c'est ça? Il y avait il y a la lumière qui est allumée. Ah, ok. Dans la maison, en tout cas. Oui, enfin, c'est une maison sur un étage. Enfin, sur juste de plein pied, quoi. La lumière est allumée. Vous voyez depuis l'extérieur. D'ailleurs, vous pouvez voir à l'intérieur, hein, si vous ne regardez pas les fenêtres. Il y a des rideaux qui sont tirés. Mais vous pouvez éventuellement distinguer un peu ce qu'il y a si vous essayez de regarder. Et la lumière est, vous voyez très bien que la lumière est allumée et vous entendez très bien que la télé est allumée aussi. Ok. J'essaie d'ouvrir la porte. Et la porte est ouverte. Elle est pas verrouillée. Bah je l'ouvre très discrètement. Ok, alors si tu l'ouvres discrètement, fais-moi un jet de discrétion, furtivité. Je sais plus quel est le. La cape furtivité. Ouais. J'ouvre la porte et je me prends les pieds dans le. Je me prends la chemise de le qui est un peu entrouverte, je me la prends dans la poignée. Et en fait, ça fait un gros cri. Je fais ah non, je vais encore me faire engueuler par mes parents. Effectivement, tu fais un grand bruit comme ça et en fait, tu commences à entendre rien. Contrairement à avant où tu n'entendais rien. Rien. Maintenant, tu n'entends rien et tu entends juste la télé plus fort. Parce que la télé est dans la pièce. Qu'est-ce qui tourne sur la télé? C'est un film? C'est les infos? C'est des pubs. C'est la fin de la journée, il doit être presque 19h. Il y a un peu de pub. Vous savez qu'il va y avoir la petite série avant les infos. Mais pour l'instant, c'est des pubs. Et une pub d'ailleurs pour une barre de chocolat. Je reste devant la télé. Et je suis debout, un peu comme un gamin qui n'a pas envie d'aller se coucher, tu sais. Et je suis debout comme ça, je regarde et j'oublie totalement les autres. Ouais, comme un gamin qui regarde une télé, quoi. Genre, il bouge plus. Tu vois. C'est ça. Il est juste happé comme les mouches. Joup. C'est ça. Comme Anthony. Privé. J'ai dit privé. C'était une petite private joke. Je l'ai pas eu. Tu me la rediras. Personne là. Personne. Privé Jigs, même lui. Voilà. Non mais je redirai après. Du coup, je rentre. Genre de mec qui se fait des blagues perso, mais juste pour lui. C'est ça. Très private joke. Très private joke. Du coup, je rentre à sa suite. Bah alors, qu'est-ce que tu fous planté là, Flex? Je réponds pas. Et je regarde la télé, je regarde Flex, je regarde la télé, je regarde Flex, je regarde la télé. Je regarde la télé. Je regarde que la télé. Peter, on dirait que Peter. Ouais, moi je regarde un peu dans la rue. J'hésite un peu à rentrer parce qu'on est quand même pas du tout chez nous en fait. Donc, je regarde s'il y a quelqu'un dans la rue. Si. Pour le coup, il y a personne dans la rue. C'est un petit quartier résidentiel assez calme. Tout le monde est. En fait, en gros, toutes les maisons ont l'air strictement identiques et ont le même comportement. C'est-à-dire qu'il y a la lumière qui sort des fenêtres et il y a cette espèce d'effet de lumière qui te fait comprendre que tout le monde est devant la télé, quoi. D'accord. Il n'y a personne dans la rue. Il y a des lampadaires allumés, mais personne dans la rue. Le lampadaire, c'est moi. Et ben, je rentre aussi, du coup, prudemment. Et je vais voir les autres, mais il est où, le prof? Il n'est pas là. Et en plus, sa télé est allumée. Et si il n'était pas là depuis 2 jours, c'est-à-dire que sa télé est allumée depuis 2 jours. En fait, il y a la télé, il y a une table. En gros, il y a la télé, une petite table et puis un canapé. Typique de quelqu'un qui habite seul, n'est-ce pas? Et sur la table, vous voyez en fait qu'il y a une assiette avec un dîner. Il y a qui est pas fini d'ailleurs. C'est genre la purée des haricots et une pièce de viande. Il y a la fourchette qui a encore un petit bout accroché. Qui est posé comme ça, et puis le couteau qui est sur le côté, il y a un verre d'eau qui est pas complètement bu. Moi je m'approche du plat et je mets le doigt dedans et je lèche pour savoir depuis combien de temps c'est là. Je regarde s'il y a un jet à faire. En fait, le pire c'est que le pire c'est que j'allais dire à Flex, vas-y, teste la bouffe. tu peux faire un jet d'analyse. Je t'autorise un jet d'analyse. Ah non, remarque, c'est censé être technique.
Mais je t'autorise un jet d'analyse parce que c'est technique. Un jet d'analyse, ok. Mec, c'est un super héros, mais sans... Tu fais 4-4-4-1. Ouais, tu sais pas trop, tu sais que c'est froid. Tu sais que c'est froid. Tu me déçois. Je te pensais plus fort que ça, Flex. Et du coup, quand il dit ça, est-ce que je peux relancer le G un peu par fierté ou pas? C'est quoi déjà ta fierté? Rien à voir. Je sais me repérer facilement. Alors, tu veux pas relancer par fierté? Ouais, je pensais pas qu'il y avait. Enfin, j'avais oublié qu'il y avait la notion de fierté. C'était pas dans ce sens-là que je voulais dire. C'était en fait un peu pris au vif. Je voulais si cette fois mettre la main dedans, tu vois. Genre le plat, tu prends à pleine main. Tu manges une grosse part. Je t'autorise à relancer avec même un bonus de plus. Ah bah j'ai relancé sans bonus, mais j'ai eu un succès. Et bah tu sais que le plat, il y a la température déjà, mais il y a la texture aussi de la purée, et tu reconnais. Tu reconnais que ça, c'est de la purée qu'il y a deux jours. C'est de la purée, ça fait presque 48 heures, environ 48 heures. C'est vraiment la texture d'une purée, tu vois, qui a pris un peu de la sauce, qui s'est répandue dans toute la purée, mais qui a suffisamment refroidi pour que la texture soit vraiment très très différente de la purée fraîche. Elle est un peu pâteuse. Donc ouais, tu peux dire avec pas mal d'assurance que ça a deux jours. Je me retourne, je prends un air hyper sérieux. Personne laisse une purée pendant deux jours comme ça. Et je finis la purée. elle est vraiment pas bonne. Parce que elle a pris du goût de veau, elle a séché, elle est froide. La cuisson du veau était pas terrible. Et La cuisson du veau était vraiment pas ouf. Hein. C'était pas un grand cuistot. Non. Moi, j'aurais rajouté des herbes de Provence avec. Ça aurait peut-être donné un peu plus de. D'ailleurs, goût. Même tu sens que c'était de la purée toute faite qu'il a passée au micro-ondes. Ouais, et puis. Faire attention avec ces purées toutes faites comme ça qu'on passe au micro-ondes. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Du coup, moi, ça commence à m'inquiéter un petit peu parce que je vois que le repas, et puis c'est pas juste qu'il a été laissé, il a été laissé à mi-chemin, quoi. Il y a encore la viande sur la fourchette, etc. Donc, je fais le tour du rez-de-chaussée, je vais essayer de regarder, soit si je trouve le prof lui-même, mais je commence à plus trop y croire, mais si je trouve d'autres traces qui indiqueraient ce qui a pu se passer au moment où il est parti. Fais-moi un jet de découverte, s'il te plaît. Il faudra que j'arrête de faire des jets de découverte. Il faudra que j'arrête de chercher des choses, parce que ce n'est pas du tout mon point fort. Tu ne trouves pas, tu ne trouves pas le prof, évidemment. Donc c'est une maison hein, sur un seul étage. Il y a le salon, sur la droite du salon, il y a une chambre qui donne sur une petite salle de bain. La cuisine est rapidement dans l'entrée. Et le lit est fait. La salle de bain est rangée. Tu vois rien de particulier. Il y a les fringues sont rangées. Ok. J'essaie de voir si je trouve pas un agenda ou un calendrier sur un mur à l'endroit où il aurait pu noter s'il avait quelque chose de prévu. Depuis mardi, du coup, vu que c'est là qu'il a disparu. Alors, effectivement, dans la cuisine, tu vas trouver un agenda, un calendrier. Et en fait, la seule chose que tu vas voir qui va t'intéresser, c'est à la date d'aujourd'hui, il y a marqué DST, contrôle avec contrôle surprise avec le numéro de ta classe. D'accord. J'étais en train de me dire, purée, j'avais raison sur le coup des services secrets. Ah oui, non, c'est pas qu'on était en Angleterre, c'est qu'on était en 1980. Ouais, non, c'est contrôle surprise avec le nom de ta classe. Donc il avait prévu quelque chose pour aujourd'hui. Mais voilà. Ok. Inutile de préciser que je suis allé fouiller la cuisine pour trouver toute trace de nourriture principalement, mais pour mener à la
Pour le coup, la nourriture, et quand tu vois qu'il a fait des stocks, avec ton analyse très précise, d'ailleurs à vous deux, en fait, Peter qui a l'habitude de faire des courses, et toi qui as l'habitude de les manger, vous comprenez qu'il a fait des courses relativement récemment, probablement le week-end d'avant, le samedi, parce qu'il y a des produits pas encore entamés, le placard est assez bien rempli. Donc il a vraiment disparu il y a 2 jours, quoi. Mardi, il était absent, mais le lundi, il avait cours. On sait s'il avait cours avec quelqu'un. Il était cours avec toi, normalement. C'était le mardi, nous. C'était moi. Le mardi. C'était le mardi, mercredi. Okay. Vous savez pas trop. Ok. Oui, les autres pièces. Il doit avoir un bureau ou quelque chose, j'imagine. Non, dans le salon, il y a une table. En fait, il n'y a pas un bureau à proprement parler. Il y a plus un coin bureau avec. Il a une espèce de table de salon sur lequel vous voyez un amas de copies. Et puis, il y a une petite bibliothèque au fond du salon dans lequel il y a des livres de maths et des dossiers. Moi, je m'approche de la pile de copies, je regarde s'il y en a une qui concerne ma classe. Il y en a une qui concerne ta classe, effectivement. Je chope ma copie et je regarde quelle note il m'a mis. Je regarde ce que je peux te faire faire comme j'en sais. Comme j'ai pour que ça soit rigolo. De maths de il y a 3 jours. Moi, je regarde Peter, fait. Tu veux pas oser quand même. Non, lance un des 6. Un des 20. Non, pas de des 20 ici. Ah, je pense que c'est des lettres. 5. Ah, ouais, bah il t'a mis B. Même idée. Ouais. En vrai, tu peux peut-être négocier le truc pour en faire un B. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Exactement. je regarde Peter, je fais. Ça se modèle. C'est un B. C'est un B que j'ai dit. Hein. T'as dit D. T'as dit B. Non, B. Ah oui. B un comme. 6. Voilà, B comme Benny. 6, ça aurait été un A, et donc 5, c'est un B. D'accord. Et moi, je regarde Peter, du coup, je fais pas mal, et donc. Je suis plutôt content, puis je rajoute quand même un plus. Et là, je regarde, oh, tu vois, et en fait, je prends la feuille des mains, en disant, oh, c'est ta feuille. Et en fait, j'ai les mains pleines de gras, et je fous du gras partout sur son copie. Mais non, c'est la meilleure note que j'ai eue de toute ma vie, me salope pas la copie. Oh, je suis désolé, tu vois, en fait, j'ai de la sauce séchée un peu autour de la bouche déjà. Et du coup, moi, je regarde. Oh, je suis désolé, je prends la feuille, et j'essaie de l'essuyer comme je peux. Et je regarde ma copie aussi, je regarde si j'ai bien un A+. Bah, lance-moi un D6. Je sens la loose. Vas-y. Eh bien, tu as... Il a fait tu as A moins. Oh. C'est la pire mauvaise note. A moins. Mais qui a A moins? Je le regarde. Moi, j'étais tout content de mon B, tu sais. Ça va Mais B, B pour toi, c'est bien. Mais à moins pour moi, c'est la déchéance totale. C'est comme si tu n'es pas assez révisé. Je faisais tes chocolats, donc je révise en même temps. Et du coup, je pars et je. Attends, bon, bah, je vais fouiller cette maison là. Il m'a mis à moins ce. Si tu fouilles la maison, tu peux faire un jet de découverte. Elle n'est pas très bonne en découverte, Charlie. 3 succès. 3 succès. Elle est très bien. 6, 5. Boum. Tu vas fouiller un peu, comme tu es un peu contrarié de ton à moins, tu vas fouiller vraiment en détail. Et en fait, bah, tu vas te rendre compte que genre, il n'y a aucun sac qui a été préparé. Il y a les copies sur la table, il était en train de reporter certaines notes, mais pas tout. Il avait fini de corriger, mais il a pas reporté toutes les notes. Et vraiment, tu te dis que ben il est parti d'un coup. Il avait rien préparé, ce qui était évident parce qu'il avait fait les courses, qu'il avait prévu un truc pour mercredi. Il y a aucun. Si tu regardes bien dans les affaires, tu n'as pas du tout l'impression qu'il manque le moindre fringue.
Enfin, il n'y a pas de cintre vide, il n'y a pas d'espace particulier où on pourrait mettre des vêtements en plus, comme s'il en manquait. La brosse à dents est toujours là. Tu vois même des clés de voiture, en fait, sur un comptoir. Tu vois même les clés de la maison sur le comptoir. Par contre, tu vois aucune trace de lutte ou quoi que ce soit. Il manque deux paires de chaussures qui étaient manifestement rangées à un endroit où il y a manifestement des chaussures qui sont rangées. Il n'y a pas du tout de traces de lutte ou quoi que ce soit. Du coup, je prends les clés de voiture, et je regarde Peter, je monte les clés, je fais. Il y en a un qui est parti ou alors il s'est fait enlever, mais on a des clés de voiture. Ça te dit, Peter ? Tu sais conduire, Charles ? Ben non, mais je me disais que toi, tu savais conduire. Mais je pense que ça peut être marrant à refaire. Moi, je pense que ça peut être dangereux, Charlie. Depuis quand tu trouves des choses dangereuses, Peter ? Ah non, mais je suis extrêmement prudent dans la vie. Quand je prends des risques, ce sont des risques calculés, Charlie. Et là, c'est un risque calculé. On a des clés de voiture. Et on a une personne qui a peut-être s'est fait enlever. On a des clés de voiture. Hé, hey, Flex ! Ouais. Regarde, on a des clés de voiture. Ça... Et alors, je sais pas conduire. Et alors, il n'y a pas d'adulte. Ben, on va quand même se faire gronder. Mais par qui, il n'y a personne. Flex. Flex, t'auras un chocolat. Tu m'énerves. Ok, je prends les clés. Non mais... De toute façon, vous voulez aller où ? On ne sait pas où il est passé, le prof. On va prendre la voiture, on va aller où ? On va faire quoi ? Bah, si c'est moi qui conduis, on ne va pas aller très loin, je te rassure. Bah, oui, je m'en doute bien. On va faire le tour du pâté de Mézo. Et au pire, déjà, on peut aller en face. Voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a vu, s'il n'avait pas dit, s'il n'a pas entendu, s'ils n'ont pas entendu notre prof partir. Pas compris. On peut effectivement. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on aurait pu oublier dans la maison. On a tout fouillé du coup dans la maison. Ouais, avec les trois succès de Charlie en découverte, globalement il n'y a rien de plus que vous pouviez trouver quoi. Ouais. Vous avez fouillé toute la maison. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de. Si, il y a des photos de lui en vacances. Rien qui vous évoque grand chose. Soit c'est fait enlever, soit il a dû entendre un son et il a dû partir, genre un peu hypnotisé. Voilà. Un peu comme des fois je te fais flex. Bon, tu te rends pas compte, mais des fois. Quand il dit ça, je me dis est-ce que vous avez vu s'il y a des gens dans les maisons à côté ou pas ? Bah, on a pas vu s'il y a des gens. J'ai vu qu'il y avait les télés allumées. Mais je sais pas s'il y a des gens. On peut aller sonner. J'y vais. Qu'est-ce que t'as dit ? Je dis youhou, j'y vais. Du coup, je sors. On lui a fait oublier l'histoire de la voiture, moi ça me va. Je lui fais un croche-patte avant, au moment où il passe. Où elle passe. Et je dis, ça c'est alors, pour avoir dit que tu pouvais me manipuler comme tu voulais. Alors, tu vas faire un jet de force et Charlie, tu vas faire un jet d'agilité. Oh. L'agilité est un point fort pour. Ah, oh, il a réussi. Ah, oh, j'ai un échec. Allez. Et ben, Flakes, t'arrives à mettre un petit chassé à Charlie qui vient s'étaler dans l'entrée. Il y a un manteau qui lui tombe dessus. Et je fais ça. C'est pour tout le mal que tu me dis à chaque fois. Et ben, t'auras plus de chocolat. M'en fiche, il est nul ton chocolat de toute façon. Quoi ? Il est nul mon chocolat ? Mais non, il est bien ton chocolat, mais c'est juste parce que tu dis que tu me manipules. C'est pas vrai, personne me manipule. Peter, Et puis je me relâche et personne te manipule. Personne te manipule. Non, personne me manipule. Je gonfle le torse. Et puis je prends le manteau, tu vois, qui est tombé sur moi, et je prends le porte-manteau pour. Parce qu'en fait, je veux pas me sentir genre. Genre, il m'a fait tomber, quoi. C'est exactement ce que tu voulais faire.
Et je vais toquer à la porte en face. Avec le porte-manteau. Avec le porte-manteau. Tu toques à la porte d'en face, t'entends quelques petites voix un peu indicibles, et t'as la porte qui s'ouvre, et t'as une espèce de vieille mamie qui te regarde. Il fait oui. Du coup, je suis avec mon porte-manteau et la veste. Et elle a l'air de pas du tout calculer que t'as un porte-manteau et une veste. Elle te regarde, l'air de dire mais qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, madame. On est venu voir notre professeur de la maison d'en face. Et en fait, la porte était ouverte. Et du coup, on s'est permis d'entrer, mais on n'a rien volé, hein, je vous promets. Mais en fait, il n'était pas là. Je posais mon devoir et je me suis demandé si vous l'avez vu ou entendu sortir. Parce qu'en fait, il a l'air de ne pas être là depuis longtemps. Et il n'est pas là, mais sa télé est allumée. Bah, les gens qui allument leur télé, ils regardent leur télé, non? Bah oui, mais en tout cas, à l'intérieur, il y avait même un repas froid. Alors du coup, c'est comme s'il n'était pas là. Mais c'est bizarre, quand on fait un repas, on le mange. Bah oui, c'est dans la logique des choses, dans la logique humaine des choses. Repas chauds. Oui, d'ailleurs, il m'attend. Je sais pas, contacter la police. Mais vous avez pas entendu, une personne arriver ou chez lui, ou pas entendu des choses, ou vu des choses Non, je ne regarde pas par la fenêtre, non. Eh ben, c'est calme ici. Ben justement, si c'était calme, il n'y aurait pas eu pas une voiture qui arrivait, ou peut-être des ovnis. Vous n'avez pas vu une grande lumière arriver sur cette maison, et puis avec un... Non. Oh ben, très bien, madame. Eh ben, sur ces beaux mots, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite aussi un très bon Madame est servie, puisque je l'entends depuis... Ah oui, tiens, ça commence. Bonne soirée. Et là, elle te claque un peu la porte au nez, puis tu l'entends retourner se mettre devant sa télé. Et je vais voir les autres, et je fais... Je suis tombé sur une vieille mamie. Je ferais bien des expériences à elle dès qu'elle crève. Quoi? Devient... plus en plus gênant, Charlie. Oui, c'est un peu glauque. Mais ça devient de plus en plus gênant. Déjà, pose ce porte-manteau. Et ensuite, on parle pas des gens comme ça. On parle pas des vieilles personnes comme ça. Il m'a énervé, lui, là. Ouais, bah justement, il va te refaire des croche-pattes si tu continues à dire des horreurs pareilles. Un flex. Il y a intérêt, ouais. Et je regonfle vite. Vous faites quelque chose en particulier, là, dans la rue? Non, là on est parti de l'école. Oui, il commence à se faire peut-être un peu tard. Vous entendez, pendant que vous êtes en train de vous taquiner, tout ça, vous entendez un bruit de porte qui claque. Qui vient dans la maison? Non, qui vient d'un petit peu plus loin, dans la rue. Bah, je regarde. Moi aussi. Ça vient de 2-3 maisons un petit peu plus loin dans la rue. Et si tu regardes, tu vois quelqu'un, t'as l'impression de voir quelqu'un qui sort d'une maison et qui s'en va. Et qui a l'air, qui regarde un peu à gauche, à droite. Ok. Je fais signe aux autres de ne pas faire de bruit. Donc je m'approche discrètement. Pour l'instant, vous êtes encore assez loin, et tu vois effectivement quelqu'un c'est un homme qui regarde un peu à gauche, à droite, et puis qui commence à s'enfoncer à partir le long de la rue en restant un peu dans l'ombre. Venez, on va le suivre. Bah, ça pourra toujours nous apporter peut-être un peu plus. Je commençais à me demander si c'était pas quelque chose qui pouvait atteindre plusieurs personnes du quartier, mais peut-être que c'est quelqu'un qui habite dans le quartier qui a enlevé le prof. C'est possible. Ouais. Bah, le mieux, c'est d'aller voir. Ouais, suivons-le. Apparemment, de toute façon, il n'a pas la conscience tranquille, donc suivons-le.
Vous approchez un peu de, enfin, vous commencez à suivre la personne. Alors au début, la personne est, enfin, se reste bien dans l'ombre. Hein. Elle va pas trop au milieu de la route ou sur le trottoir. Vous sentez que la personne longe un peu les murs. Et puis en fait, vous suivez. Et au bout d'un moment, vous commencez à sortir en fait de la petite banlieue de Caister-on-Sea en direction du sud-ouest. Et vous allez me faire un jet de furtivité. Ça va très bien se passer. Alors, j'ai pas retrouvé comment on faisait de l'assistance. J'ai 2 en physique et 0 en furtivité. Je vais essayer de retrouver comment ça se passe pour céder. Allez, 2 succès. 2 succès. Ouais. Il y a que toi qui. Pourquoi t'as fait un test de Peter? T'as fait un test physique? Bah de toute façon en furtivité j'ai 0, donc ça revient au même. Ah, t'as 0 en physique aussi? Non, j'ai 2 en physique et j'ai 0 en furtivité. Ah, l'entraide. Je me glisse entre les maisons et en fait, je suis hyper rapide. Et je vois juste l'ombre. Et en fait, je passe derrière une voiture, je me cache. Et je lève la tête, je me vérifie que personne, enfin, que le type ne regarde pas dans la direction. Et je cours en direction d'une autre voiture, je me planque. Et puis, je vais derrière un poteau, je me cache derrière le poteau. En fait, le poteau est plus petit que moi. Plus fin que moi en tout cas, donc je ressors des deux côtés, mais c'est pas grave. Et je pars, et à un moment donné, je le perds de vue, et je regarde à droite, à gauche, j'ai l'air de réfléchir un petit peu, fait c'est à gauche. Et là, je vais à gauche. Et moi, je suis en train de surveiller Charlie, qui n'a toujours pas posé son porte-manteau. Et bah, justement, j'allais dire que. De rester discrète et de pas faire trop de bruit, machin. Du coup, moi-même, je me prends les pieds dans des trucs, et je lui dis, arrête, tu m'énerves, pose ce truc! On est en train de suivre quelqu'un, qu'est-ce que tu fais avec un porte-manteau? Mais je sais pas, j'ai dans les mains. Et puis je lâche en faisant un gros bruit, quoi. Moi, je les ai pas entendus, je suis vraiment parti sans me soucier d'eux, juste pour vraiment retrouver la trace du type. Et du coup, comme vous étiez un peu en train de vous disputer, bah, le porte-manteau tombe, ça fait du bruit, mais le mec est déjà parti depuis un petit moment. Enfin, il est déjà un peu plus loin. Il va se retourner peut-être rapidement, mais tout le monde est planqué et il va juste se dire que c'est un animal dans une poubelle. Et puis il va continuer sa route. Donc il sort de la ville vraiment et il commence à prendre une petite route qui s'enfonce vers un bois, enfin vers la campagne plutôt, et qui est plus ou moins en direction Charlie, tu le sais. C'est la direction globale du réacteur du Loop. Que ce soit relativement clair, si vous allez sur Foundry, vous avez le réacteur qui est au centre. Alors bon, désolé pour les viewers. J'ai mis la battle map, normalement. Mais... Ah, t'as mis la battle map. Donc effectivement, vous avez le réacteur qui est au centre. Gritiarmus, la ville où vous habitez, elle est à l'est, au bord de la mer. Caister-on-Sea, c'est au nord, donc c'est un espèce de quartier résidentiel au nord de Gritiarmus. Et en fait, le centre, c'est vraiment là qu'il y a le réacteur. Et ensuite, bah, le Loop, c'est un accélérateur de particules, notamment. Donc, vous avez plusieurs accélérateurs de particules. Et en fait, bah, toute la zone circulaire la plus extérieure, bah, il y a des barrières, quoi. Le trait noir qui est tout autour, ou le trait jaune, en l'occurrence, c'est une barrière. Globalement, c'est ça, je crois. C'est ça. Y a des dés qui sont arrivés d'un coup. Alors, cela dit, comme il y a une petite ville, je dis peut-être des bêtises parce qu'il y a une petite ville de Belton. Et je pense pas que la ville de Belton soit derrière le muraille, mais en tout cas, c'est peut-être pas des barrières, c'est peut-être des lignes énergétiques souterraines. Sachant que, en fait, vous voyez, il y a des lignes qui partent vers la mer et c'est aussi des lignes de courant d'énergie en fait. Selon la légende, les points orange, c'est des tunnels. Et les traits rouges, c'est des... C'est ça, mais il y a rien sur le trait noir lui-même. Donc, en gros, on va dire que c'est la limite, le centre, il est là-dessous. Vous avez peut-être des barrières un peu plus à l'intérieur. Après, vous avez des portes. Je sais plus, il faudrait que je revoie exactement. Mais toujours est-il que toute cette zone entourée par le cercle, c'est la zone du Loop. Donc, quand vous, ce que vous constatez, c'est qu'on se dirige vers cette zone. Ok. Pas spécifiquement, vous ne serez pas capable de dire si c'est spécifiquement vers le réacteur, mais c'est en tout cas vers la zone du Loop. Ok. Et donc, vous allez suivre ce gars qui continue à avancer. Alors, voilà, vous êtes un peu plus sur des petites routes. En fait, vous allez suivre la route qui descend.
Et puis au bout d'un moment, en fait, il va carrément prendre une espèce de petite route de campagne et puis avancer un peu à travers champs. Il commence à faire, enfin, il fait sombre, il fait pas encore complètement nuit. Et puis, ben, il va arriver à un endroit. Je sais pas si vous voyez mon curseur, mais globalement dans cette zone-là. Oui, ouais, ok. Où il y a un grand champ. Et dans ce grand champ, vous allez voir une première chose. La première chose que vous allez voir, c'est qu'il y a un espèce de gros objet métallique au milieu du champ. Ça a l'air d'être un espèce de gros cylindre de 2 mètres de large pour 1 mètre de haut, qui est comme ça, qui est posé autour du champ. La deuxième chose que vous allez voir, c'est qu'il y a plein de gens autour. Il y a une vingaine de personnes qui sont là et qui ont l'air pour l'instant de discuter. Il fait un peu sombre parce que vous n'êtes pas encore arrivé, donc vous voyez pas trop qui sont les personnes qui sont là. Mais vous voyez, il y a plusieurs personnes attroupées autour de ce machin-là. Ça a l'air d'être des scientifiques ou ça a l'air d'être des types lambda? Pour l'instant, vous voyez pas trop. Il fait un peu trop sombre. Ok, je me rapproche. J'essaie un peu, vraiment de prendre les devants sans trop demander leur avis aux autres. Tu t'approches, tu commences à distinguer. Alors, tu vas distinguer des personnes. Alors, il y a une personne en blouse blanche, une dame blonde en blouse blanche. Tu peux imaginer qu'elle est scientifique. Il y a des personnes qui ont l'air plus civiles, on va dire. Tu reconnais Monsieur Corisco, qui est ton prof de maths, après tout, qui est là, qui est en train de parler à quelqu'un. Okay. Les autres, tu les connais pas spécialement. Je retourne voir les autres. Je leur dis, c'est bon, j'ai retrouvé Monsieur Corisco. Il y a un truc bizarre. Il y a plein de gens qui sont attroupés autour d'un espèce de cylindre dans le champ. C'est étrange. J'ai vu une dame, ça avait l'air d'être une scientifique. Je sais pas qui c'est. Peut-être que Charlie, tu la connais, toi qui aimes bien tous ces trucs un peu bizarres. Bah attends, tu me dis qu'il y a des gens qui sont attroupés devant un cylindre. Des scientifiques, ouais. C'est des ovnis? Ah oui. Quoi? Mais non, pourquoi des ovnis? Mais non, c'est pas des ovnis. Non, il y a. Je t'ai dit, en fait, il y a un cylindre dans le champ et il y a plein de gens tout autour, dont Monsieur Corisco. Attends, j'ai à voir avec toi. Du coup, j'essaie d'être furtive et de voir. Eh bien, fais-moi un test de furtivité. J'arrive. J'ai dit, j'essaye. Je peux l'aider, du coup, en fait, en essayant de passer à travers les hautes herbes, s'il y en a, ou tu sais, en zigzagant un petit peu pour essayer de... Ouais, tu peux lui donner un peu la route qui te paraît le mieux, et à ce moment-là, Charlie, tu feras un test avec un plus 1. Donc un dé en plus. Ok. Oui. Nice. Parfait, vous arrivez à vous faufiler un petit peu à travers le champ, et arriver suffisamment proche pour pouvoir... et alors vous allez voir effectivement Peter, tu les as suivis ou pas? Je les suis, ouais, un peu plus à distance parce que notre expérience précédente m'a un peu refroidi en termes de distraction, mais je m'approche et surtout je regarde les gens, quelle est leur attitude, est-ce qu'ils ont l'air dangereux, est-ce qu'ils ont l'air agressifs. Dans un premier temps, Charlie, tu vas voir deux choses qui vont attirer ton attention en plus de Monsieur Corisco. Tu vas voir ta mère qui est en train de parler à quelqu'un que tu connais pas, et tu vas voir une dame, la dame blonde, qui est en fait Diane Petersen, et non pas la dame blanche. Diane Petersen, qui est que tu connais au moins en photo, qui est pareil en train de parler à quelqu'un. Du coup, dès que je la vois, je prends le bras de flex. Il y a Diane Petersen. C'est qui? Mais c'est mon idole. Et c'est elle aussi un peu celle qui a fait retourner le cerveau de l'homme au pigeon. Ah, mais oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Et il y a ma mère aussi. C'est-à-dire que ma mère est de mèche avec Diane Petersen. Oh, c'est trop bien. Et en même temps, c'est pas bien. Attends, Charlie, mais calme-toi. T'as un truc à manger? Commence à faire faim, là, non? Non, mais j'ai écrasé tous les chocolats, y a plus rien, là. Ah, m'énerve. Et je me relève et je retourne voir Peter. Et Peter, fais quelque chose pour Charlie, elle est en train de péter.
Là, il y a sa mère avec son idole, ils font n'importe quoi. Effectivement, d'ailleurs, à un moment, tu vois ta mère qui s'approche de Diane et qui elle commence à discuter. Moi, je me rapproche de Charlie, du coup, et je la chope avant qu'elle parte. Et je dis, attends, Charlie, qu'est-ce que ta mère fait là? Mais je sais pas, c'est ce que j'avais demandé. Il y a Diane Peterson. Tu te rends compte, c'est elle qui a presque créé tout le loop ici. C'est une des plus vieilles. Et puis c'est elle aussi qui a créé la machine avec les pigeons. Il faut que j'aille la voir. Elle avait disparu à cause de cette histoire. Si le gars s'était occupé de la machine aux pigeons, c'est parce que Diane Peterson n'était plus là. C'est quand même mais bizarre. C'est vrai. Mais non, mais c'est parce qu'elle avait été, c'est parce qu'elle a été virée, oui. Et peut-être, voilà, et peut-être qu'elle est revenue au loop, et puis ma mère, c'est-à-dire qu'elle était au courant, et elle me l'a pas dit, en plus celle-là, non mais il faut que j'aille la voir. Attends. Je regarde les gens maintenant qu'on est un petit peu plus près, je reste caché derrière une barrière ou un monticule, quelque chose, et je regarde les gens pour voir, est-ce qu'ils ont l'air normaux ou pas, c'est des gens... sont rassemblés autour d'un truc dans un champ, c'est super chelou, mais leur attitude, elle est comment? Bah, c'est assez bizarre, ils sont en train de... Alors, tu vas voir plusieurs choses. Déjà, tu vas voir le maraîcher. Étonnant. Voilà, qui est là. Alors, il y a des gens qui sont en train de parler entre eux. Il y a des gens qui sont en train de regarder le sol un peu. Sans trop savoir. D'ailleurs, là, Diane, elle a fini de parler avec la mère de Charlie, elle regarde un peu le sol. Tu vois deux mecs, notamment le maraîcher, qui commencent un peu à se chercher des noises, tu vois, ils se toisent, ils se poussent, ils se provoquent un peu. Tu vas voir deux personnes qui s'embrassent dans un coin, un peu papa goulue. Et puis il y a un Gus, un moment, qui sort un peu de derrière le cylindre, en fait, qui est en train de marcher à quatre pattes. Bon, ok, c'est chelou. Ok, c'est bizarre. Parce que chelou, je pense pas que c'était encore à l'époque. Ok, c'est bizarre. Des adultes qui font des choses comme moi, des fois, je peux le faire dans mon labo, c'est bizarre. J'avais vraiment pas besoin de cette information. Attends. Charlie, t'es en train de me dire que tu trimbales à quatre pattes dans ton labo? Bah oui. Ou tu t'embrasses goulûment? Non, en tout cas, j'ai jamais embrassé personne. Enfin, quoique si. Mais tu t'embrasses toi? Non, le chat. T'embrasses le chat? Bah oui. Avec la langue? Bah oui. La française? Bah et là, oui. T'entends la mère de Charlie qui est en train de discuter. Et je dis régulièrement à mon fils qu'il ne faut pas toucher au chat. Mais c'est dégueulasse. C'est et tu fais ça au chat? Hein? Je me souviens plus du running joke de la semaine dernière. Enfin, c'est la mère de Charlie qui dit on touche pas au chat. C'est ça. Ok, les gars, il y a un truc vraiment bizarre. On sait qu'il y a au moins deux personnes là-dedans qui ont tout laissé en plan et qui sont venues ici. Le maraîcher, vous voyez le gars là-bas, c'est le maraîcher. Je suis allé voir ce matin sur le marché, il avait laissé son stand sans surveillance devant tout le monde comme ça. Mais ma mère, elle est pas rentrée non plus, elle a laissé son café, ce qui n'arrive jamais. Non, il y a un mec qui se balade comme un chien, et tout ce qui vous intéresse, c'est de savoir que le maraîcher est parti en laissant son stand à plat. Il y a un mec qui se balade comme un chien, il a quatre pattes. Et il y en a un qui a laissé son dîner. Il est plus accroupi en se déplaçant un peu sur ses mains, et de temps en temps, il se remet en position accroupie, il se déplace un peu plus comme un singe, quoi, que comme un chien. Il y en a qui a laissé son dîner. Oui, alors ça, je comprends pas. Alors, ok, la purée était pas top. Ok, le veau était trop cuit. Ok, la sauce manquait de sel. Et pour le coup, moi, j'aurais vraiment mis des herbes de Provence dans tout ça pour rehausser un petit peu le goût. Et c'est vrai que c'est bizarre, quand même. Moi, je propose qu'on se rapproche pour essayer de voir de quoi ils discutent. Et qu'est-ce que c'est que ce cylindre? Ça a l'air de les attirer tous. Le cylindre, il est quoi? C'est en métal, gris, classique? Ouais, c'est ça. C'est un métal assez brillant. Si vous vous rapprochez, vous allez pouvoir observer qu'en fait, il y a des lettres dessus. Il y a marqué Nata, dessus. N-A-T-A. Nata. Charlie, ça dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. En tout cas, de temps en temps, quand mes parents ils partent au Portugal, ils ramènent des pastéis.
des pastèches de nata. Bon, je sais pas si c'est un rapport ou pas, mais... C'est quoi, ça se mange? Bah ouais, ça se mange. C'est vrai? Ouais. Tu pourras en ramener la prochaine fois? Et c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Bah, ça a quel goût? Ça ressemble à des petits flans. Ça ressemble à des petits flans un peu croquants au-dessus. Avec, et à l'intérieur, c'est fondant. Et c'est... Il y a beaucoup d'œufs. Les petits flans, c'est pas les gus avec les cornes là, et la peau un peu rouge. Pas que rouge. Par contre, ouais, tu vois que Nata sur le... Pardon, je vous interromps. Tu sais, c'est un acronyme. C'est marqué N.A.T.A. Ça vous dit rien, ça, Charlie? Du coup, ça te fait penser... Non, mais à part à la nourriture, arrête de penser nourriture un peu. Mais non, mais je ça me fait penser à ça, mais ça me fait penser aussi à... Ça me fait penser aussi à... Et là, est-ce que j'ai vu ça sur les trucs de ma mère? Tu as absolument pas vu ça sur les trucs de ma mère. Non, ça me dit rien du tout. Ça me dit natalité. Non, ça me dit rien Nata du tout, Nata. Nata Faucon. Non, ça me dit rien du tout. J'ai jamais vu ça, Nata. Le okay. Projet Nata. Comment on s'est rapproché? On entend les conversations ou... Vous entendez des conversations, effectivement. Le maraîcher est toujours en train un peu d'embrouiller ce gars. Ils sont en train de se prendre la tête comme ça et de se pousser mutuellement. Tu entends effectivement Diane qui parle à ta mère et elles ont l'air d'être en train de parler d'un truc scientifique, mais en fait elles parlent genre il y a Diane qui lui explique que bah les insectes dans le champ ils ont muté un petit peu à cause des radiations du gravitron. Tu sais que le gravitron c'est le réacteur, enfin c'est la source d'énergie du loop, et que du coup bah voilà, c'est vachement intéressant de venir ici pour observer les mutations des insectes. Il y a d'autres personnes qui parlent pas spécialement, qui sont juste assises à cet endroit-là. Mais c'est des, en tout cas, les discussions que vous entendez sont très communes. Mais c'est bizarre que depuis 2 jours, en tout cas, s'ils sont là depuis 2 jours et qu'ils parlent comme ça. On peut peut-être aller voir. Disons, il y a ta mère, de toute façon, c'est ta mère. Qu'est-ce qu'on risque? Non, mais c'est vrai qu'on risque rien. Je peux y aller voir ma mère. Bah, ouais, de toute façon, c'est des gens. Enfin, je pense pas qu'ils se connaissent forcément tous. Donc, peut-être que si on y va, ils auront juste l'impression que nous aussi, on est attirés par le cylindre. Ou, enfin, faisons comme si de rien n'était. Ils ont tous l'air en train de se comporter très naturellement. Charlie, si tu veux, tu peux faire comme chez toi et te balader à quatre pattes. Apparemment, ça n'a pas l'air de choquer les gens. Donc, ouais, peut-être allons-y au bluff. Je ne vais pas me mettre à quatre pattes, mais on peut y aller au bluff. Bluffons. Et je m'approche du cylindre.